Bonjour, bonsoir tout fanatique Haïti Media One. Pays d'Haïti, c'est 100 sous 100. Bien bonnet, dans Juvena, bandi Axam, criblé en babal, yon entrepreneur dans pays d'Haïti ensemble avec tout petit li et moun ki connaît Market Emile. Sous Juvena, eh bien, propriété Market ça, li mouri en babal, bandi, tout brebo la kaili ensemble avec un petit li, bandi yo assassiné. Comment propriété Market Emile lan di rele li gen nom Fouad Abed et petit garçon lan rele Abed Junior yo attaqué pas trop loin résidence par des gangs armés par des individus mes chers amis qui étaient vraiment d'emblée mais selon information c'est un kidnapping que nèg yo al tenté faire sous entrepreneur et en même temps petit entrepreneur. Mais semblerait que yo t'a fait résistance, eh bien nous connaît déjà Mbakadou si ça li écrit dans critère réseau kidnapping dans pays d'Haïti. Depuis kidnappé a laissé kidnappo wa faire résistance ou vinn permettre bagarre anti Jean pas être plus difficile pour lui même en tant que résultat que la mort, c'est vider balle sous, c'est soit mourir ou bien ou prend cartouche ou à titre de bon. Bien dans sens ça, gagne propriétaire Emile Market là qui quitté pour. M'a regarder image monsieur qui t'est gantan rivé. Et sous cabane l'hôpital, mais c'était qu'il était allé dans centre santé plus près. Mais malheureusement, il va arriver et résister ensemble avec plein cartouche. Ben Mouchea, il rend dernier souffle et petit garçon qui c'est Abed Junior, il fait même route ensemble avec papa. Bagala vraiment compliqué, journée jodi a li clair que marche dans pays d'Haïti, elles sont bonnes sans besoin, mais même si tu as besoin tout, on pas certifier personne monde, pas assurer personne monde parce que pays d'Haïti en soi des pour la dedans ou pas ca en sécurité. Bagala vraiment compliqué, m'a dit ça. Bandi sorti en bas, yo monté en haut, action ça passé, c'est toujours dans commune Petionville. N'est pas oublié non, depuis nan jou sot passé yo là, nous t'étendé à clé comment bandi yo, on nèg yo t'a fait en façon pour t'accaparer commune Petionville. En tout cas, jusqu'à présent, c'est bandi non identifié, mais nous connaît. Rat connaît chat connaît, Bike Maria l'a toujours été là. Bagala compliqué et m'a demandé chaque grain monde qui sur plateforme Haïti Media ou non, qui still toujours rete en bas qui fait résistance, tant pour s'il plaît, pas prendre ska pour la mort, pas propose ou marcher avec ses en babou parce que ouais la mort son bagage qui répété chaque jour dans communauté haïtienne là. Mais quand ta pour ta habitué avec l'IA, c'est un radote, permettez-moi l'expression, qui ne pas jamais habitué avec lui. Fait en pile prudence malgré prudence en passif vivre, mais c'est mettre quoi veiller quoi pas quitter ou propose ignorer pour tant d'IA pour bandi enlever. En tout cas, moun qui fait business, moun qui d'accord investir l'argent, investir temps you non pays si difficile qu'un pays d'Haïti capable suite avec image si la yon kapare de jour en jour, image cruelle sa yo, on haïtien ou bien n'importe moun ke liye a qui ta gen yon inspiration pour ta vin investi dans le pays d'Haïti, à chaque fois, j'en de drame sa yo, j'en de crime sa yo, yon komet, se bak ou fe moun za li même ni fe. Ou liye ta vin pren 100 000, 50 000, pour ta vin investi bay au moins 15 à 30 jen travail, ben jen sa yo still ap toujours été nan chômage, raison parce que sécurité pays d'Haïti li pa assuré. Et m'ap di sa clair. Chaque homme d'affaires dans le pays d'Haïti mettez à 99%. Yo tout la kayo, yo gen zam. Est-ce que vous comprenez? Mais kounya, ça qui est important, bon me poser question ça, gen zam lan se youn. Est-ce que légal CD? Et en pile moun d'accord, on est cap investi en pile l'argent. Bon, on est d'accord, investi plus que 100 000 $ américains dans le pays d'Haïti. Gen un groupe moun ki di moun sa ta supposé gen gros manchon la kayli pour sécuriser business et tête pal et famille. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Mais étant donné non société côté société a li bien équilibré, société côté tout monde, on prend yo respecter norme qui établi, on prend par la loi, comprenez bien oui? Zam sa sou ta gagne quand même faut ta bon papier pour li. Et journée jodi a li clair, ça a fait un petit point sur li parce que m'a regardé insécurité a cap taille banda, li important pour me font ti un petit briefing, un petit rappel pour me parler de ça et me penser en pile dans nous a bien comprendre ça m'a dit là. Est-ce que nous pas trouver c'est peut-être un complot que instance concernée dans sa boubay licence avec matériel ça avec exam, est-ce que nous pas trouver son complot qui fait comment faire bandi a lui-même li gen accès pour le porter n'importe gros calibre un monde qui direct dans pays d'Haïti qui a investi un monde qui a fait business un monde mes chers amis attendez bien oui qui d'accord pour 1 million, presque un bon demi-million, investir dans un pays côté sécurité, il va assurer, il va gagner accès pour le d'avoir un machin.
Et là, il y a manche longue là, lui m'a fait va et vient m'demander papier, m'demander licence, yo pas fouti bal. Tandis que bandi a lui-même dit que manche longue là, mais ça pas inquiété aucune autorité dans pays là. Est-ce qu'il pas trouvé ça son complot que yo fait? Comme Jovenel te gen tan deal avant que nèg yo te disparaître, avant que yo te criminel, ça nous est cap passer là. On sait ce qui a travers insécurité dans pays là, li gen marine, li gen parine. Di gen moun kap soutenir, semblerait-il c'est pas menti. Bagala vraiment compliqué, bagala vraiment drôle et m'a demandé instance concerné yo, on ti gens réfléchir sur ça. Comment capable comprendre, on est qui d'accord, prend l'argent, investi à desservir une communauté pour bandi exam, touyer dans façon ça. Et nèg yo tellement senti yo habile dans zak yo t'a fait, yo fin touyer entrepreneur, homme d'affaires, propriétaire Emile Maquette ensemble avec petite li et dans machine, victime yo té ya, nèg yo jeune assez temps pour prendre machine et puis aller avec lui. Assurément machine ça lui va permettre gien l'autre monde encore qu'elle tomber dans même façon mais gien l'autre monde qui va le kidnapper dans même façon. Pas vraiment compliqué, il faut que CSPN comme pas gagner tout parce qu'il m'a regardé Ariel Henry en tant que le premier des policiers haïtiens, les pas rien sérieux que la régler dans ça gien pour avec sécurité interne pays d'Haïti. Il était là fait propagande, m'a dit à regarder match, à regarder Coupe du monde, rien encore. Comme nous on peuple qui très naïf, on peuple qui très passif, mais journellement, bon Dieu t'a sou que nous t'a levé dans dormir, maman petite mettre Marie parce que c'est ça que prévoir ou t'a passer dans pays d'Haïti. En vérité, depuis c'est nèg qui était autorité qui a fait peuple haïtien passer misère, qui prend pays, y a toute misère, qui d'accord investir dans insécurité pour toujours demeurer. En vérité, ça m'a pour nous, Antoine Nangomier Powell. L'autre détail, l'autre information, mes chers amis, faut me dire nous, barrière frontière, dans Wanamet, Dabon, qui était fermé à cause de maltraitance, immigration dominicaine a fait ici, parce que l'autre Bosilea, mon Wanamet a choisi de lever campé pour te fermer frontière, pour te fermer barrière Haïti. Mais faut me dire, dans la minute que je parle avec nous là, toute activité reprend. Barrière l'ouvri, après, on tête à tête qui te gagné. Entre magistrat d'abonner avec société civile dans Wanamet, yo choisi yo principal entente yo jwenn yon accord et bien barrière li relouvri porte li. Mais faut me dire nous pendant barrière relouvri a gen yon information qui a circulé sur réseaux sociaux. Étant donné nous même pas bon ici, j'aime toujours dire, m'pa là pour me créer buzz, m'pa là pour bon information, rien que information. Vous comprenez? M'pa là pour me créer sensation. Gen yon information sur réseaux sociaux, m'pa capable dire on rimet côté yo dit citoyen qui te soudé barrière et frontière Haïti a li mouri poitriné empoisonné sous cabane de l'hôpital yo bal poison après on fin ouvri barrière frontière qui te me dit nous pote qui te me pote lumière sous parole ça yo cap dit sur réseaux sociaux qui ça bagalaye au juste citoyen y a peut de parler de l'IA direle Makil Noël vous entendez direle Makil Noël li te fait partie groupe moun qui était bloqué frontière effectivement mais c'est pas li k'ap soudel monsieur était konn kembe clé on ti barrière qui sous pont parce que nous a gen plusieurs ti barrières gen n'importe deux ti barrières sous frontière si même moi m'pa fè défaut plus grand barrière ben monsieur il était responsable pour te kembe youn nan clé ti barrière attendez bien oui et bien qui s'est passé monsieur fait une journée sans manger n'attendez moi monsieur fait une journée il pas manger pas goûter rien assurément libre un petit bloc fait tout simplement et puis dans l'après-midi monsieur acheté yon coca li boue coca yon malaise prend courir avec l'hôpital li mouri est-ce qu'on entendé monsieur pas manger depuis matin li acheté yon coca li boue coca yon malaise prend après fin boue coca courir avec l'hôpital et bien monsieur rend dernier souffle. J'ai remonté au condil, bah pour le répéter, bah la bande des boissons qu'elle lie, mais nous connais qui valait des blousailles, que boissons gaz et salim même ni fait à travers monde. Bah pour le une crasse business monde, mais ou même qui sont intelligents, cap coûter t'inec en tout là, bah c'est quoi bien comprendre. Makil Noël, c'est lui même qui mouria, même monsieur, les bat dans question sous des barrières. C'est un petit clé, les gars dans mail, dans cadenas qui connaît ou dans petit barrière ou. Monsieur responsable pour ouvrir cadenas ça et en même temps fermer les armes des fêtes. En tout cas, c'est samedi déjà. Ici là là pas aucune diversion, c'est histoire jeune tout bon cause et tout bon détail puisque m'a parlé là des dominicains ensemble avec haïtiens qui te me dit gain des dominicains également mes chers amis qui joignent arrestation yo dans Porto Rico. Tendez bien oui, yo arrêté nek sa pour qui ça après ont fini 133 kg cocaïne dans mes dominicains ça yo qui ont apporté dans un bateau. Eh bien, pour moment m'a parlé avec nous là des dominicains ça yo nan autorité dans pays et Porto Rico. Il m'a rappelé nous nek sa yo remet ti pou dio.
nèg sa ou remet ti pou yo mes chers amis en parlant des nations si là yo pa la yo même capable di yo pa resi yo pa vle al travail depuis yo jwenn ti pou la y a passé l en tout cas yo mari yo parce que faut penser nous pa vle nous penser que nation ça c'est ti Jésus nan crèche j'en konn di là non nèg sa ou konn pa kèt mauvais affaire que ou konn implique là dans parfois c'est pas tout qui bon moun est-ce que vous comprenez en tout cas c'est ça détail là c'est ça information puisque moi connais déjà moi dou ici à là pas aucune sensation. Et depuis information tombée, c'est prendre le partager ensemble avec vous. Pas oublier, pas gagne l'autre non. Yo le petit nèg en tu prête là, voit information ou remet travail qu'a fait, on remet jamais ba information, pas gagne l'autre façon capable aider, c'est permettre que plateforme ça li élargit, permettre non petit budget pour moi m'a compter 500 000 abonnés clair parce que objectif moi c'est arriver dans 1 million et plus. Est-ce que vous comprenez? Dégage parce que travail là pas facile mais avec vous même mais en pile, chaille pas moi en célébration, li doit passer nan instabilité pour haïtien parce que 2004 pour tout connaître son date emblématique c'est quand même 200 ans depuis que seul peuple noir dans monde ça t'est renversé yon puissance européenne esclavagiste c'est seul le tout yon armée non européenne jusque là t'est battu yon armée européenne et Canada a fait leadership que Canada parlait là elle va commencer aujourd'hui. Et ça fait fond de mémoire journalistique, mémoire d'historien pour nous rappeler les choses. Donc, en 2003, donc, Canada a décidé de lancer, ça le relais, l'initiative d'Ottawa sur Haïti. Écoutez bien, vous en avez tout le monde à côté. Et Canada pour le bail mandat, donc, Jean Chrétien pour le bail mandat à un haut fonctionnaire de la fonction publique fédérale, un gros fonctionnaire dans le cabinet politique, li, pour faire tout ça le capable pour que, ça c'est important, Jean-Bertrand Aristide pas ouais 2004. Tout au plus, premier trimestre 2004, faut Jean-Bertrand Aristide renverser. Et ça, Canada pour le faire. Canada pour le réunir tout près d'Ottawa, dont ils ont ignoré les lacs Mitch, écoutez bien, oui, les représentants de l'Union européenne, les représentants de l'OEA, les représentants des États-Unis, ils réunissent tout le monde sauf représentants d'Haïti. Ça veut dire pour décider d'Haïti sans Haïti. Et nous connaissons suite là, ils pourront renverser le président Jean-Bertrand Aristide. Et là, on dit ça, je rappelle l'histoire. Hein, m'ba là du tout pour me défendre le régime Lavalas, à qui nous sommes capables de faire pile reproche d'ailleurs, hein, mais avec raison. Cependant, il faut nous noter que c'est un gouvernement qui était légitimement élu avec des élus dans diverses institutions pays. Et Canada pour le dire, non, c'est il faut rappeler, c'était des élections contestées. Oui, mais ça n'a pas dit là, Zamam m'a parlé de ça que fait Canada aujourd'hui avec système de sanctions. Élections contestées, c'est le cas généralement en Haïti, mais pas gen moun kap contesté au moins ceci, c'est-à-dire l'élection de Jean-Bertrand Aristide en 90, mettons, c'était première fois que peuple haïtien était lui-même voté pour. Maintenant, le Jean-Bertrand Aristide après le retourner au pouvoir deuxième fois, c'est sûr que élection sénateur, élection député était entaché d'irrégularité. Ça, Fom Dava renoncer à probité intellectuelle. Moi, pour me ta contester, li, mais fin font écouter moi pas loin. Ok, ouais, d'accord. Donc, Canada a décidé renverser un gouvernement qui est légitimement élu. Et puisque nous-mêmes, c'est journalistes, nous t'es lire ça, lorsque dernièrement, New York Times t'es sorti en série d'articles qui viennent confirmer ça que t'es gagné derrière renversement Jean-Bertrand Aristide là, c'est parce que Jean-Bertrand Aristide t'es décidé poursuivre la France pour cette affaire de dette de l'indépendance et il dit non, a fait ça, si nous quittons là le plus loin, il n'est pas bon pour nous comme ancien pays esclavagiste, faut nous renverser monsieur tout de suite. Mais c'est pas tellement ça qui intéressait. Et donc Canada, par son initiative d'Ottawa sur Haïti, pour aller à la tête d'un coup d'État en 2004. Ça, c'est le premier coup d'État. Maintenant, pendant 2 ans, Canada, États-Unis, la France mettent en place en Haïti un régime soi-disant de transition qui était là pour faire élection. On va avoir un deuxième coup d'État Canada pour aller bon avec États-Unis et la France. Nous songez ça,
Le Gérard Latortue a organisé l'élection, bon conseil électoral provisoire, qui dit, écoutez, personne monde pas qualifié pour élu dès le premier tour, même si Préval était en avant, donc on peut aller en deuxième tour. C'est ça que la Constitution dit. Mm-hmm. Maintenant, tout le monde fait le calcul qui était simple à faire. Si Leslie Maniga allait en deuxième tour avec René Préval, il y a un pile chance pour que c'est Leslie Maniga qui batte. Et pour que on pas prenne chance de gagner à la présidence d'Haïti. Oui, allô? Oui, oui, nous là, oui. Pour que chance, oui. Pour que on pas chance aller à la présidence d'Haïti avec un monde aussi vertical que Leslie Maniga, que on connaît déjà, puisque Leslie Maniga te font expérience comme président déjà qui était très courte, mais côté que l'été campé droit dans ses bottes, lorsque États-Unis te dit que yo poil entrer vient arrêter les frères Paul qui était de haut gradé de l'armée sous prétexte que ont été trempé dans trafic de drogue. Eh bien, Leslie Maniga dit non. Si vous avez des choses qu'on reproche, voyez pour un vieux pour nous et nous-mêmes n'avons évaluer son gain et on va juger nous-mêmes, mais nous pas accepter que ou vienne arrêter des ressortissants haïtiens pour ça sous prétexte que pour pouvoir juger aux États-Unis. Digne d'un homme d'État. Yeah. Oui, nous songez comment ça passait. Ils vont assassiner, ils vont empoisonner les frères Paul, pas vrai? Et ils vont renverser, n'est-ce pas, président Leslie Maniga. Donc ils ont pas voulu gagner en deuxième, ils ont Maniga en deuxième fois. Écoute théâtre. Contrairement à sa CEP a dit, à savoir d'où est le deuxième tour, Canada, avec États-Unis, avec la France, bah, ils ont un deuxième coup d'État, ils ont dit pas de deuxième tour, eh bien, René Préval a président. Ça, c'est le deuxième coup d'État. Pour comprendre ça, Canada voulait faire avec régime sanction. Canada, pour le moment, un troisième coup d'État. C'est lorsque, et je dis, Lambert a parlé de ça comme si de rien n'était, mais c'est un acte de lèse souveraineté. L'acte électoral, c'est un geste de souveraineté. Et Constitution prévoit qui est-ce pour qui organiser l'élection et surtout qui est-ce pour qui proclamer l'élection. Si on a besoin garder en dessous de toute gargote qui était passée autour de l'élection de la nomination de Michel Martelly, mandez-nous pour nous lire dans le ventre pourri de la bête de Ginette Chérubin, qui était membre du conseil électoral là. Et qui assistait non seulement en tant que témoin, mais en tant qu'actrice à toute magouille que le Canada, une fois de plus, la France, les États-Unis fait pour t'imposer Michel Martelly. Ça veut dire Michel Martelly pas été admissible au second tour, tout le monde vient de connaître ni. Et non seulement Lambert Dil, Ginette Chérubin a écrit lui, mais mieux que ça encore, n'est-ce pas, l'ancien représentant de l'OEA en Haïti, le Brésilien Seitenfuss, Ricardo Seitenfuss, écrit un livre que le relais, n'est-ce pas, l'échec de la communauté internationale en Haïti, côté que lui expliquait que Michel Martelly pas été admissible au second tour, mais que c'est Sanre les communautés internationales là qui imposait Michel Martelly pour des raisons que nous pouvons comprendre, parce que Michel Martelly tellement bien squelette dans le placard, et donc l'orgon montant pour Michel Martelly au pouvoir, eh bien mécanisme de néocolonisation lui facilité d'autant que Michel Martelly pas jamais qu'à camper devant international là pour le défendre un agenda nationaliste, d'autant que Et ça, faut nous rappeler, d'autant que Michel Martelly est citoyen américain. Ça, ou clair sur ça? Oui, clair. Ça reste à prouver quand même. Ça reste à prouver. Ah oui, bien sûr. Ah, mais écoutez, je ne suis ni au tribunal, mais m'a cité un bagage. Ma vie au Canada depuis 34 ans. M'a dit, les amis, il y a un monde qui est en même, c'est un monde qui organise balle, qui était promoteur Michel Martelly, dans le moment que Michel Martelly était convenu jouer au Canada. Ok? M'a pas dit, non, même si tout. Monsieur même dit, docteur Fils-Aimé, le mal cherché Michel Martelly, dans l'aéroport, en particulier lors de son dernier bal, dernier côté Michel Martelly fait bal, avant de déclarer candidature, lui, c'est au Canada, au 35-36 Jarry Est au Canada. Non, place qui te relaie Christina. Ok? Il y a le chercher Michel Martelly.
pour mener vin jouer balle là. C'est encore son passeport américain que le montrer dans. Ça dit là docteur Fizeme. Oui bien sûr. Ah bien sûr. OK. Bien sûr. Dernier balle qui pas même 50 moun parce que déjà les balles de Michel Martelly n'étaient plus courues même si tôt en même qui était promoteur Michel Martelly, c'est avec son passeport américain que l'y rentrait au Canada. Donc ça c'est pour jouer lié. Mais juste à m'expliquer vers qui ça m'en vire. Donc Canada pour le bon, il y a un troisième coup d'état. Il pourrait le commettre un autre crime de lèse souveraineté lorsque il organisait une plus grande fraude électorale dans l'histoire de ce pays en passant par dessus une institution constitutionnelle qui est là pour proclamer résultat. Et ça, on va gagner tout sous lui. Ricardo Settenfus deal, Ginette Chérubin deal, Lambert Saud deal, n'est-ce pas? Entre autres monde. Et au pont, apparemment, là, au cours des dernières heures, Vin dit oui, c'était ça qui arrivait. Donc, Canada vient organiser une autre fraude électorale pour le bord Michel Martin. Et maintenant, quatrième coup d'État électoral, c'est ça que vous faites là avec Ariel Henry. Ariel Henry a été nommé par un premier ministre, par un président qui vient de mourir. Tout au plus, mandat Ariel Henry t'a supposé fini dans le moment que le président t'a nommé l'a fini. Ils ont décidé que, par un tweet, il y a Kembe Ariel, et malgré le fait que Ariel n'a pas ni légitimité constitutionnelle, ni légitimité populaire, ils ont décidé à Kembe malgré tout. Mais en tout cas, il faut que rappeler que c'est le président Jovenel Moïse qui t'a nommé avant de mourir. Non, mais il dit ça là, oui, le mandat est fini, non, c'est mandat. Fait doux, ça veut dire que mandat Ariel Henry t'a supposé fini tout au plus. Ou pas de prince, on entendait, non. Mandat Ariel Henry t'a supposé fini tout au plus dans la date que mandat Jovenel t'a fini. C'est pas comme ça, lui. Écoutez-moi. Il y a un gros débat sur ça, on se dit là. Oui, mais. On président de mon monde. Président mouri, oui. Ok, ça va vous dire automatiquement le mandat président fini, 7 mois pour le définir, ça va vous dire que mandat premier ministre fini. Ok, maintenant, je vais poser une question, frère. Allez-y. Constitution de 87 en main, que ce soit 87 ou bien 87 réformé, dis-moi, sous base de qui provision constitutionnelle ou capable de maintenir, et je vais citer mon article là parce que j'ai une constitution sous les yeux au moment que n'a parlé là. Non, nous pas nous pas entrer dans la constitution là même pour Mais non. Actuellement, non, nous pas dans la constitution. Mais nous pas entrer là dans les nouvelles. Non, mais nous pas dans la constitution même là. Nous pas dans la constitution même. Mais non, mais au fait, ou bas raison. M'pas qu'à bonne raison. Mais ceux qui basent tes noms, mais les basent sur la constitution. Non. M'pas qu'à bonne raison, comment pas la bonne raison là. Mais fin écoutez, mais on va pas le écoutez, okay, là au bon raison. Je suis en train de te dire que ce n'est ni sur une base de légalité que Ariel Henry là, ce n'est même pas sur une base de son avarelé une convention constitutionnelle parce que ou pas gagné dans l'histoire de ce pays, écoutez oui, des précédents de ça yo fait nous là avec Ariel. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que m'dou Ariel pas disposé ni de légitimité constitutionnelle, ni pas même disposé d'une légitimité historique qui t'avait basé sur ça ou t'avait relé des conventions constitutionnelles. Ariel là, parce que gon tweet qui t'est sorti environ 2 semaines après assassinat Jovenel, tweet ça c'est corps groupe qui t'est fait, qui dit écoutez, on y va avec Ariel. Et malgré le fait que Ariel pas disposé d'aucune légitimité, sinon que de l'effectivité du pouvoir, c'est Ligue Genameni. Canada, encore une fois, États-Unis, la France, ils ont décidé qu'un bill. Maintenant, écoutez bien. Ils ont fait tout ça dans qui but. Ils ont fait tout ça dans qui but, dans but pour que la situation se détériorant, ils ont vint imposer une intervention militaire et puis ils ont pensé que tout le peuple haïtien n'a pas l'applaudi devant. On ne sait pas ça crivé. Le peuple haïtien était hostile à l'intervention militaire et sans que nous parlions compte de ça, ils ont obligé de désavouer Ariel qui demandait pour l'intervenir après que eux-mêmes ont dit pour le demander pour l'intervenir. Donc, ils ont obligé de désavouer Ariel et qu'on y est à Canada, Vini, Brie, dans ça que relè en communication politique des stratégies de rédemption ou des stratégies de rachat.
C'est dans ça qui est là. Ouais, tout ça m'a fait là, c'est ton introduction pour montrer où, pour qui raison Canada se sent dans l'obligation de se racheter. C'est ça que tu as parlé de stratégie de rédemption ou de rachat en communication politique. Canada vient sentir dans l'obligation de se racheter parce que Liban a un coup d'État en 2004, parce que Liban participait dans un coup d'État, n'est-ce pas, de Préval contre Maniga, dans un coup d'État de Martelly contre Mirland Maniga, et aussi dans un coup d'État constitutionnel qui consiste à maintenir Ariel, n'est-ce pas, au pouvoir en dehors de toute provision constitutionnelle ou de toute provision conventionnelle. Mm-hmm. Maintenant, Canada dit tête li, pour que le capable redorer image li devant peuple haïtien, hein, avec l'appui des États-Unis, parce que l'image des États-Unis brûlait devant les Haïtiens. Ils ont passé par Canada, qui sont pays vassal, qui sont pays laquais, qui sont avarés dans le pays domestique des États-Unis. Ah ben, il dit, ok, d'accord. Pour nous arriver à maintenir agenda de néocolonisation noire, bon, nous bagaille, frère, et retenir ça. En 2004, écoutez bien, ça, déclaration qu'on va le faire là, très important. En 2004, on avait comme secrétaire général de l'OEA, Luigi Einaudi. Luigi Einaudi dit dans l'entrevue, plus gros erreur que communauté internationale l'a fait, c'est quitter Haïti géré par des Haïtiens. Est-ce que nous t'en sommes dit là? Oui, oui. En 2004. Liuji Enaudi dit plus gros erreur que communauté internationale l'a te commettre, c'est quitter Haïti géré par des Haïtiens. Et que désormais, Haïti pas gain droit géré par des Haïtiens, c'est eux-mêmes pour qui gérer Haïti, par personne interposée. C'est ça que n'est le plan de néocolonisation. Et là, je te cite Liuji Enaudi. En nous retournant. Puisque Canada, ensemble avec États-Unis, pas voulu renoncer à plan de néocolonisation, yo, ils ont obligé d'utiliser, ça que m'était les dernières fois dans l'émission, non? La tactique du bâton et de la carotte. Ils ont essayé bâton, qui c'est, pour y'en venir faire intervention militaire, pas gain acceptabilité sociale. Pour lui, qu'on y a essayé d'utiliser carotte. Ça veut dire, ils ont beau quelques petits bonbons, pour qu'ils fassent qu'on content, pour qu'on perdu vigilance ou pour dire, gain l'œil aux amis, nous ouvrir. Mais, on nous parle. Alors, nous commençons vraiment à tomber dans le piège, là, vrai? Si. Bien, ah oui, bien, et c'est ça que fait pour ne pas tomber là-dedans. Quand le Canada a déclaré que l'y sanctionner Lambert, l'y sanctionner Yuri La Tortue, entre autres, l'y sanctionner Barbecue, l'y sanctionner Laurent Lamotte, l'y sanctionner Michel Martelly, l'y sanctionner Henri Séan. Écoutez bien, ça me voit le dire là. En dehors d'une déclaration de principe, qui ça fait? Martelly entre Haïti, mais Martelly retournait aux États-Unis. Laurent Lamotte pas gagné bien au Canada, donc rien pas affecté Laurent Lamotte. Regardez, même Ronnie Célestin qui gagnait des biens par l'entremise de sa femme, mais il a pas saisi bien. Ça veut dire que c'est des déclarations de principe qui fait pour que sur le flanc gauche, et ça c'est important, ça me va le dire nous, hein, pour y continuer plan machiavélique. On n'a pas divisé ça me va le dire là en deux flancs, puisque qu'on est à notre période mondiale, m'a pas le prendre image. Sur le flanc droit, y a nous quelques sanctions qui semblaient faire que nous content, parce que Martelly tellement connu, le régime PHTK tellement reconnu pour être un régime de kleptomane, ça veut dire un régime de voleur. Yo dit, si nous sanctionnons quelques monde PHTK, ça fait population en content. Ça, c'est sur le flanc droit. Mais sur le flanc gauche, vous comprenez ce qu'il a fait nous là? Vous pas réaliser que, parallèlement à la sanction, yo, Ariel Henry nommé un juge à la Cour de cassation. Vers quoi on s'en va, vous comprenez? Les élections. Il peut aller vers la normalisation du CEP. Et dès qu'on a un CEP, tu ne pourras plus empêcher des élections dans ce pays. C'est pas jamais des élections. Ça va être une fois de plus une nomination qui pourra être mise en place par la même communauté des nations malveillantes à la tête de laquelle vous trouvez le Canada en ce qui concerne Haïti. Et puis, c'est même pareillement. Il y a une bonne liste de sanctions qui sont déclarations de principe. En rien pas changé dans la vie Martelly. Martelly retourne aux États-Unis. En rien pas changé dans la vie Lamotte. Lamotte a vive toujours aux États-Unis. Et tout le monde connaît côté Lamotte bien bien li. Vous n'avez qu'à lire les Pandora Papers qui étaient sortis il y a un an et demi maintenant. Vous avez une idée claire de qui moun qui gen kob, qui côté investissement yo fait. Alors, maintenant, mon droit ti bagay. Dans les sanctions là, c'est jouer à jouer avec vous pour yo faire oublier
véritable mal pays. Quel est le véritable mal de ce pays? C'est que nous avons perdu le contrôle politique de ce pays parce que les pays tuteurs, on aurait les États-Unis, Canada, la France, décidé que Haïti n'est pas géré par des Haïtiens. Donc, c'est Canada sérieux. Donc, faut que c'est eux qui toujours choisissent les gens qui sont dans notre pays. Dans le Parlement, dans notre pays, dans la primature, etc. C'est changé. Après, dis-moi, bagage. Si Canada est sérieux, et je vais lancer ce message dimanche en français sur ma chaîne. Si Canada est sérieux, après, le dit Justin Trudeau, ensemble avec Mélanie Joly, ensemble avec Emmanuel Dubourg, qui c'est seul député haïtien au sein du caucus libéral, si vous êtes sérieux, je vous demande, au nom du peuple haïtien, de retirer officiellement votre appui à Ariel Henry. C'est comme ça pour mesurer sérieux. Ou réaliser que, écoutez en bagaille. Yeah. Mettez Michel Martelly sur une liste de sanctions, mais c'est nous donner un cadavre à manger. Martelly est brûlé politiquement. Martelly est comme dans Pochy, mais Martelly c'est un homme qui est détesté en Haïti en ce moment. Michel Martelly, à côté de Jean-Baptiste Aristide, était l'homme le plus puissant en Haïti. Pas fait ça. Non, alors, une différence entre puissant et populaire. Ou dit deux bagages. Puissant et populaire. Martelly gagne popularité en Haïti. Pas la guerre comme ça. Jusqu'à présent, si nous avons une élection là qui fait, ok, il y a des gens qui ont voté, Martelly. Pas fait ça. Ou pas dire ça. Soit c'est président qui gagne pied la terre dans le pays. Avec ça, ou pas la gueule comme ça, M'gèpression, ou pas tendez samedi. M'tendez samedi. Ou pas tendez, parce que sous t'étendez, ou pas ta baye réponse ça, réplique ça. Bon, répétez samedi. En allez. M'dou, Martelly gen l'argent. Avec l'argent, bien sûr que le puissant Martelly impliqué dans tout réseau crime, dans tout réseau drogue. Martelly gen commerce avec Bidjo, comment le fait pas puissant? Martelly, c'est le donneur d'ordre à Ariel Henry. Au fait, Ariel Henry ne respire que par les ordres que l'y recevoir et de Michel Martelly et de Canada avec les États-Unis, donc il est puissant. Mais je suis prêt à parier $2 avec, ou d'ailleurs, pas jamais gagner l'élection vraie, qu'on est en train de me dire que Martelly, pas compté parmi les mouns les plus détestés de ce pays, voyons donc. Alors, si nous pas d'accord, quittez m'avancer. Avancez. Mais ok, allons avancer. Voilà. Maintenant, ça pour nous surveiller, c'est que tout le temps, c'est Ariel qui gagne le contrôle effectif du pouvoir. Yo mette quantité moun yo vle sur la liste des sanctionnés, mais le contrôle néocolonialiste li rete nan men blanc malveillant, c'est-à-dire Canada, États-Unis, et dans quel contexte yo fait? Ça c'est très important le framing. Ou pas réaliser que Canada commence à bouger comme ça dès lors que gen des manifestations anti-Ariel, parce que dans monde là nous monsieur. Oui, on va parler. Moi c'est un gol qui m'a fait taille pour moi là moi. Gagne yon bagay que Canada avec États-Unis, ensemble avec la France, pas prêt à céder. C'est accepter que Ariel tombe pour que ces peuples haïtiens, lui-même, qui mettent en structure de transition sous place. Parce que si c'est nous qui faisons, ils ont perdu le contrôle hégémonique. Donc, en gros. Donc, y'a pas gagné intérêt à lâcher Ariel Henry là, dans le moment. Ghana, réalisons-le. C'est ça que fait nous-mêmes. Oui. Très bien. Et ouais, même affaire mondiale là, oui, donc, nous devons nous amuser. Mais pas oublier. Oui. Avec gros parler la fête. Marche de débat. Oui. Ici, marche de débat. Gagne un bagage romain, on te dit. Et ça va faire là, il permet de rappeler nous. Les Romains te dit, pas de meilleure façon pour contrôler une foule qu'en lui donnant du pain et des jeux. En Haïti, on dit peuple haïtien tellement contenté de pain ou mettre pas balle pain de pour balle jouer, la blague. Ouais. Oh, regardez, ouais, ouais, télévision qui a acheté génératrice. Vous comprenez? Regardez, gain kidnapping, mais personne ne va parler de kidnapping. Pas de gain courant, pas de carburant. Yo négocié avec barbecue juste à temps. Le Canada dit, c'est lui-même qui fait que yo libéré Varou. En tout pour nous connaître que gen négociation fait, gen cop qui bat à barbecue. Ça veut dire qu'ils ont négocié à temps pour libérer Varou, pour que carburant commence à circuler dans le pays, hein, pour mondial la passer bien, parce que yo connaît que ouais, même si peuple haïtien pas joindre pain,
Depuis le Brésil, le Argentine, mais bon. De pour le jeu, la calmer. Donc, fais attention, monsieur, pour que nous-mêmes, comme influenceurs publics, parce que vous avez une grande responsabilité, vous êtes l'une des émissions les plus écoutées dans ce pays. Fais attention pour que par les jeux, nous pas entraîner le peuple à tout dans l'aliénation mentale qu'il y a fait là. Ça veut dire que même si m'a gardé son cœur, même si m'a gardé mondial, faut me dire que mondial pas changer rien dans le destin de ce pays. Arabie Saoudite te fout les Anglais dehors. Pour, enfin, Qatar te fout les Anglais dehors. Puis te gen contrôle pétrolio. Moi-même avec vous, nous besoin mettre Canada, États-Unis avec la France dehors pour nous reprendre contrôle politique pays nous. Parce que si on mette son liste de sanctionner n'importe qui moun yo vle, mais que c'est eux-mêmes qui encore gagné le contrôle politique de ce pays, en maintenant Ariel au pays, et bien qui t'aime 12 ans même, pas rien là qu'a fait. Alors, docteur, si nous vie ébranlée, docteur, si nous vie ébranlée Canada, ma balle bon place à question, oui. Okay. Et si Canada a besoin de prouver nous le sérieux, n'a pas ni non seul carrefour. N'a pas dit Canada, déclarez publiquement que vous retirez votre appui à Ariel Henry. Et c'est le ça n'a pas le ouais. Il y a pas sérieux, oui. Donc, parce que écoutez, au même titre que on se parlait de impopularité, du moins alors de haine qui gagne pour Michel Martelly, moi me garantis sous ta fonction d'ajaté à la tout ou na question haine population pour yon leader politique pour mon cap diriger, m'pa quoi docteur Ariel Henry a trop loin Michel Martelly. Tout à fait, parce que Dieu peuple a vinn ouvri. Peuple a vin éduqué politiquement. Li vin rend ni compte que d'ailleurs de pour international là bon yon moun ni pas bon pour. De pour elle qu'un bon moun ni pas bon pour. Donc le fait que aucun